existe. Et on n'est pas à l'abri de ça. Et vous imaginez si je fais un vintage et qu'on me fait de la sorcellerie sur mes vêtements que j'ai portés pendant des années ou quoi. Les gens sont tellement malades que c'est pour ça que je fais pas ça. Après, peut-être que je le ferai via le nom de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que j'ai grave envie de le faire. Mais ça fait peur. La vérité, les gens ils font tellement peur aujourd'hui. Mais des affaires que t'as portées, c'est quand même beaucoup plus personnel que genre un snap ou des photos. Bon, j'avoue, des photos, déjà, c'est quelque chose. Mais c'est déjà beaucoup plus personnel, quelque chose que t'as porté, quelque chose que t'as vraiment mis, tu vois. Enfin, on est à l'abri de rien, que Dieu nous en préserve. Hein. Mais vaut mieux éviter. Par exemple, même aux relations, les mariages. Hello, un sujet. Voilà quoi. Non mais parlons réalité. Les mariages d'avant, regardez nos darons et tout. Pourquoi ça a tenu? S'il vous plaît, pourquoi ça a tenu? Parce qu'il y avait moins de tentations. Il n'y avait pas ton mec, il allait sur les réseaux, il checkait les profils des autres. Il n'y avait pas ta meuf, elle voyait des mecs mieux que toi. Il n'y avait pas tout ça. Déjà, et en plus de ça, c'est pas il y a un réseau social. Moi, quand t'es dans une relation, t'es comme as. C'est trop comment vous voulez que les mariages tiennent. Non, sérieusement. Bon, après, normalement, quand t'es censé te marier, il t'aime toi. Il a pas envie de voir personne d'autre. Ça, c'est censé être logique. Hein, parce que, ah oui, ça aussi, faut le dire. Parce que la tromperie, aujourd'hui, est tellement banalisée que ce soit des deux côtés. Hein, que ce soit mec ou meuf. Hein, genre, ça choque plus personne. Moi, ça me choquera toujours. Quand il faudra divorcer, je divorcerai. Je préfère être seule le soir.